Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un Happy Mail et on va faire des tests parce que j'ai commandé deux trucs qu'on va tester ensemble. On va l'ouvrir. Alors, j'ai commandé des nouveaux crayons et vous allez voir l'autre petit truc. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Alors, j'ai commandé une palette d'aquarelles et les nouveaux crayons. Ben, je ne sais pas s'ils sont nouveaux, mais je pense que ça ne fait pas super longtemps qu'ils sont sortis. Les crayons de chez Black Widow. C'est les Monarques. Je sais que c'est pas la gamme complète, mais j'ai bien l'intention d'acheter... le serpent, l'araignée, puis tout ça. Mais celui-là, il y avait des couleurs qui me tentaient beaucoup dedans. Plusieurs couleurs pâles. Donc, je me suis dit que j'allais commencer par celui-là. Voir si je les aime. Et puis, si je les aime, ben, j'irai avec le reste. Et je n'ai pas commandé de trousse. Donc, je vais être obligée de les laisser dans ça pour l'instant. Bon, là, je vais l'ouvrir. Oh! Il y a des belles couleurs. Ce qui m'a attiré de ceux-là, c'est que vous avez plusieurs couleurs pâles dedans. Ben, ils ont l'air pâles. On va voir quand on va les tester. Là, je suis en train d'imprimer un nuancier. Il est presque fini. Alors, je vais faire le nuancier avec vous. Et puis, on va aussi tester les aquarelles. Les aquarelles, c'est ceux-ci. C'est quoi la marque? Je ne sais pas. C'est écrit en chinois. C'est la marque Perroquet? Je pense pas, hein? On va l'ouvrir, ça aussi. J'ai commandé tout ça de chez Amazon, bien sûr. J'avais commandé un livre de coloriage avec, mais étant donné que c'est un livre qui vient de chez Book Depository, ben, je m'attends pas à le recevoir tout de suite. Et puis, mes mascarades ne sont toujours pas arrivées. Je vous avais dit que je les avais précommandées. Et puis, moi, je les ai précommandées depuis le mois de juin. Et puis, ils me disent que je vais recevoir ça presque à la fin du mois de septembre. Alors, j'espère que ça va changer et je vais les avoir avant, hein, mais bon. Alors, voilà pour les aquarelles. Moi, je les ai commandées, les aquarelles, parce que... vous savez que j'avais ma petite palette Starricolor que j'arrête pas de vous montrer tout le temps. Et puis, j'avais pas d'aquarelle vraiment neutre, tu sais, avec des couleurs neutres pour pouvoir le mélanger avec. J'avais juste des couleurs brillantes, donc on peut pas faire énormément de trucs avec ça. Alors, c'est pour ça que j'ai été avec une petite palette comme ça. J'ai pas été dans la plus dispendieuse. Je voulais voir si j'allais aimer... ben, dans le fond, si j'allais aimer ce qu'on peut faire avec pour voir si j'ai investi un petit peu plus là-dedans. Alors là, c'est cool parce qu'on a des un petit truc comme ça avec les numéros puis le nom de chaque petite palette. Je m'attendais à ce que les carrés soient un peu plus gros. J'espère que ça passe pas trop vite. On va voir. Vous avez un petit pinceau réservoir d'eau qui vient avec. Alors voilà, il y a des belles couleurs en tout cas. Il ne s'enlève pas de dans les trucs. Ça, c'est une affaire de... Voyons. J'essaie de... Je veux voir si je suis capable d'enlever ça. Je pense qu'on peut pas. En tout cas. Mais ça a l'air quand même assez épais. Là, le blanc, on dirait qu'il est sorti de son truc. Sinon, le reste, c'est tout beau. Alors, je crois qu'on va commencer par les crayons. Ensuite, je vais faire des tests avec, avec l'aquarelle. Mais j'aime bien la boîte, elle est belle. C'est une boîte de métal. Puis je les ai vraiment pas payé cher. Hein. Pour 36 couleurs que vous avez dedans. Bon, alors on va commencer avec les Black Widow parce que je suis curieuse de voir les couleurs. Bon, je viens déjà de faire une gaffe. Ça part bien la vidéo, ça. Mais c'est sûr que je vais me commander une trousse parce que depuis que j'ai des trousses, là. Les petits paquets même. Avant, ça me dérangeait pas. Je me disais, oh, moi, je ne mettrais pas mes crayons en trousse. Mais là, je commence à avoir pas mal de gammes de crayons. Et puis, quand je vais les utiliser, ben, c'est beaucoup plus pratique avec des trousses. Et puis, la boîte est belle, par contre, mais
Ça, là, c'est des petits racks mous, là, comme vous avez pu voir. Donc, c'est vraiment pas pratique. Puis, ça prend beaucoup de place aussi. Bon, alors, on va aller chercher les nuanciers. Bon, j'avais demandé à ma fille de me mettre du papier dans mon imprimante, mais là, elle m'a mis du papier, du vraiment pas bon papier, là. Elle m'a pas mis le papier que je prends d'habitude, mais c'est pas grave. Bon, je pense que j'aurais besoin de seulement une feuille. Je vais me mettre une petite épaisseur, par exemple, pour ne pas avoir le grain du bureau. Bon, alors, les crayons maintenant. On va regarder ça. Ah, oh, il a l'air d'avoir des belles couleurs. Alors, ben, ils sont quand même gros. C'est pas des crayons trop petits. Pas super gros non plus, là. C'est pas comme les polychromos, mais quand même. Ils sont beaux. Vous avez un numéro et une couleur. Donc, je vais pas placer... je crois que je vais laisser le nuancier comme ça, étant donné que... Je vais les placer en trousse et puis je vais probablement, quand je vais acheter le serpent et puis tout ça, si je les aime, je vais sûrement refaire le nuancier pour qu'ils soient tous, ils s'agencent tous ensemble. Donc là, aujourd'hui, on va le faire comme ça ensemble. Puis j'écrirai les numéros à la fin. Je vais seulement faire les couleurs avec vous. Alors là, celui-là, c'est émeraude, émeralde, c'est le numéro 120. Alors, on va tester. Puis là, ça, c'est vraiment pas du bon papier. Donc, ben, à première vue, c'est pas des crayons secs. C'est des crayons quand même gras. Mais je crois qu'ils vont saturer vite le papier. Je crois. Parce que de la façon que... Quand j'ai mis ici, là... C'est déjà saturé, là. Je pense pas qu'on va pouvoir travailler avec plusieurs couches. Sinon, ça, moi, ça me dérange pas vraiment. Des fois, quand j'ai envie de faire... j'ai pas envie de passer 3 heures à faire un dégradé, ben, je vais avec des crayons comme ça. À date, la couleur est belle. Pas énormément pigmentée, par contre, je trouve. Pour d'après ce que je voyais de la mine, j'avais l'impression qu'elle allait être super pigmentée, mais non. Alors, celui-là, c'est le numéro 85. On va le regarder. Mais là, j'ai pas un bon papier non plus. Je vais le tester sur un autre papier avant de dire des bêtises. Alors, voilà pour cette couleur. C'est une belle couleur, j'aime bien. Pour faire des feuilles, c'est beau. Je vais le tester sur mes cartons. Ben, mes cartons. Mes feuilles que j'utilise habituellement pour... Ah ouais, vraiment, ils vont mieux sur ce papier-là. Des fois, c'est juste ça, hein? C'est juste une question de papier. Donc, ah oui, je sais ce que je vais faire. Je vais tester dans mon Magical Jungle, que je vous avais dit que je garderais pour faire des tests. Je pense que c'est ça que je vais faire. Donc, on va commencer à partir. Les crayons, on va tester les crayons. Je vais les tester dans mon livre. Au début, je voulais faire le nuancier, mais finalement, je me suis dit que ce serait peut-être plus le fun de les tester dans un livre de coloriage. Donc, ça, c'est mon vieux livre de Magical Jungle. J'en ai deux, donc l'autre, il est dans ma collection. Mais lui, je me suis dit que ça serait bien de l'utiliser pour faire des tests. Alors, on va commencer par les crayons. Ensuite, on va tester les aquarelles pour voir de quoi ils ont l'air. Alors, je vais vous dire les numéros et les noms, parce que vous avez un nom et un numéro dessus. Alors, celui-là, c'est le crème, qui est le numéro 71. Donc, je teste. Ils vont très bien sur le papier. Là, je pense que je vais fermer ma porte parce qu'il y a beaucoup de bruit. On entend mon chien, mes enfants. Je vais fermer la porte. Bon. Je devrais toujours la fermer quand je commence une vidéo. Je ne sais pas pourquoi je ne le fais pas, là. Bon, alors là, celui-là, c'est le crème. Il a une belle couleur. Je dirais qu'ils sont crémeux quand même.
Par contre, j'ai l'impression qu'ils vont saturer vite le papier. Donc, petit bémol ici, mais moi, ça ne me dérange pas bien ben parce que j'en ai d'autres crayons que je peux vraiment travailler couche par couche. Et puis, des fois, quand ça ne me tente pas là, de faire des couches par couche, que j'ai envie de faire des dégradés plus rapidement, ben, j'aime bien avoir des crayons de ce style. Alors là, dans le fond, je les teste tout sur le coloriage. Là, je m'amuse pas à faire un coloriage. Là, on fait juste regarder les couleurs. Celui-là, c'était Milk, numéro 67. Ensuite, celui-là, c'est le Pêche. On va voir. Oh, c'est une belle couleur. Par contre, je crois pas que je ferais des pots avec cette couleur-là parce que c'est un peu orangé, je dirais. Mais c'est... J'aime bien la couleur. Un peu une petite couleur pastel. Oui. Ceci. Ensuite, celui-là, c'est le Aztec Gold, numéro 79. Je vais essayer de les mélanger aussi pour voir comment ils se mélangent. Alors là, dans le fond, je fais un peu comme un nuancier, hein? Je pars du plus foncé, puis je monte jusqu'au plus pâle pour vous montrer un petit peu de couleur. Celui-là, c'est le Fa, numéro 121. Désolée pour mon anglais, vous savez que c'est pas ma force. Sinon, je voulais vous parler aussi du concours, là, je l'ai mis en ligne. Donc, n'hésitez pas si vous voulez participer. Ça va vous faire extrêmement plaisir. Ensuite, vous pouvez toujours rejoindre mon groupe Facebook dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente. Je vous redis encore le nom pour ceux qui n'auraient pas vu l'autre vidéo. Celui-là, c'est le Mango, numéro 90. Le nom de mon groupe Facebook, c'est La Bande Colo de Zazou. Donc, si vous voulez rejoindre, ben, vous êtes la bienvenue. On peut partager. Si vous voulez me parler, faire des coloriages en duo ou tout simplement me partager vos coloriages. Et puis aussi, vous allez pouvoir voir tous mes coloriages sur cette page-là parce que je vais toutes les publier là. En plus de mon Instagram. Mais comme je vous ai déjà expliqué, Instagram, j'y vais moins souvent. Celui-là, c'est le Candy. Ben, à date, je les aime, hein, les Black Widow. Il y a vraiment des belles couleurs et puis il se travaille bien sur le papier. Reste à savoir est-ce qu'on est capable de faire des dégradés avec. Je ne sais pas. C'est ce qu'on va voir. Je vais tester de toute façon. Alors voilà pour celui-là. Celui-ci, c'est le Ice Cream. Là, j'ai commencé avec la palette de pâle. Après, on va voir avec les autres. Là, j'ai bien l'intention de me commander le reste qui va avec, ce qui veut dire scorpion, serpent et araignée. Je ne sais pas si je vais commander les teintes de peau, parce que je sais qu'il y a deux boîtes que c'est des teintes de peau. Je ne sais pas si je vais les commander, étant donné que j'ai déjà pas mal mon combo dans mes autres sortes de crayons. Donc, je ne sais pas. Peut-être que je vais prendre seulement l'araignée, le scorpion et le serpent. Je vais aussi commander une trousse en même temps. Je vais refermer ma porte parce que mes enfants sont venus chercher mon ordinateur. Ils n'ont pas refermé la porte. Bon. Celui-là, c'était Light Pink. Ce que je disais donc. Ah ouais, là, je vais commander une trousse pour les mettre en trousse parce que c'est sûr que si je prends les trois autres boîtes, ça ne me tente pas de me retrouver avec quatre boîtes ouvertes comme ça sur mon bureau. Je n'ai pas un bureau super grand, donc j'ai pas énormément de place. Donc, je vais me prendre une nouvelle trousse. Ah non, je suis contente, je les aime vraiment. Des belles couleurs. Puis, j'aime bien la façon qu'ils réagissent sur le papier. Je pense pas qu'ils soient extra, par contre, sur du papier Amazon. Je sais pas. Il faudrait que je les teste. Mais là, moi, c'est pas l'édition spéciale. C'est vraiment celle avec le petit pingouin. Là. Donc, le papier est pas. C'est du bon papier, mais c'est pas l'extrême qualité. Puis, j'aime bien comment ils réagissent dessus. Donc, je suis satisfaite. Celui-là, c'était Mushroom. Ensuite, du petit rose qui est Bliss, numéro 73.
Là, je fais pas un coloriage, là. Je fais vraiment juste tester les crayons. Je fais pas. C'est mon livre de test. J'ai hâte de voir aussi les aquarelles, comment ils vont être. Parce que là, moi, j'avais seulement, en tant qu'aquarelle, j'en avais pas vraiment. Je commence là à aimer justement faire des fonds néocolores. Là, j'avais ma palette de Starry que je vous ai présentée plusieurs fois parce que là, ça fait comme plusieurs coloriages que je l'utilise. Donc, puis j'avais pas de couleurs normales. Je veux dire, pas des couleurs. J'avais juste des couleurs métalliques, donc je pouvais pas faire ben grand-chose en tant qu'aquarelle. Celui-là, c'est Fudge, le numéro 106. Alors, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de prendre des aquarelles. Puis on dirait que j'ai moins de difficultés à travailler les aquarelles que les néocolores. Je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est semblable, mais je ne sais pas. On dirait que j'ai plus de difficultés avec les néocolores qu'avec les aquarelles. Mais là, on vient pas pire avec mes néocolores. Alors celui-là, ben, c'est un beau rose, hein? Un petit rose bébé. Ensuite, on va essayer celle-ci qui est hot pink. Ah oui, je voulais vous dire aussi que là, j'ai fait un tirage de Diamond Painting. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime le Diamond Painting. Et puis moi, ma chaîne, c'est beaucoup plus coloriage que Diamond Painting. C'est juste que là, j'avais envie d'ajouter un nouveau truc sur ma chaîne. Et puis des fois, de faire changement. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, Diamond Painting. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que là, c'est mon petit cadeau pour vous, pour mes 500 abonnés. Mais, à 1000 abonnés, je vais faire un autre cadeau pour vous. Je vous dis pas c'est quoi. Moi, je sais déjà ce que je veux vous offrir. Mais je crois que vous allez être très contents. Alors, ça va être à 1000 abonnés. Je vais faire un autre tirage. Et ça n'aura pas rapport avec le Diamond Painting. Ça aura rapport avec le coloriage. Donc, j'ai hâte d'être rendu là pour pouvoir vous montrer. Je pense que tout le monde va être très satisfait de ce que j'ai prévu de vous offrir quand on va être rendu à 1000 abonnés sur la chaîne. Ça monte quand même assez rapidement. Donc, je suis contente. Je vous remercie encore hein, d'être toujours là, fidèle à regarder mes vidéos. Pourtant, des fois, j'ai pas l'impression que mes vidéos sont si intéressantes. Je me trouve plate des fois, mais si vous aimez ça, c'est ça l'important. Alors, celui-là, c'était Passion. C'est vraiment un beau vert, hein? Ensuite, celui-là, c'est Cool Green. Je suis en train de faire un beau coloriage multicolore. Celui-là est un petit peu pâle, mais c'est ça que je voulais. Je voulais avoir des petites teintes pâles parce que des fois, tu sais, comme dans les Prismacolor, Polychromos, moi, c'est souvent celui-là que j'utilise. J'utilise beaucoup les Arteza maintenant que je les ai. Je les aime vraiment beaucoup, mais on n'a pas beaucoup de couleurs pâles, tu sais. On veut toujours avoir des crayons super intenses en couleurs, mais des fois, avoir des petites couleurs pâles, ben c'est pratique parce que quand on veut faire des dégradés, ça nous en prend des petites couleurs pâles. Celui-là, c'est Iceberg, le numéro 60. Là, vous savez que cette boîte-là, vous ne pouvez pas dire, OK, je me commande cette boîte-là et puis j'ai une gamme complète pour faire des coloriages. Hein? Parce que vous n'avez pas toutes les couleurs. C'est vraiment une gamme pour compléter les Black Widow, d'après ce que j'ai pu voir. Parce que vous n'avez pas de rouge, vous n'avez pas de noir. Il y a seulement deux bruns. Je dirais que dans les verts foncés, il n'y en a pas vraiment non plus, d'après ce que je peux voir. Alors, c'est vraiment une gamme pour compléter avec les autres. Ou si vous voulez simplement la prendre puis pour compléter avec vos crayons à vous, ben, vous pouvez faire ça aussi. Donc, celui-là, c'était le Peppermint. Ah oui, j'ai dû l'aiguiser parce que la mine était brisée. C'est pour ça qu'il est plus petit que les autres. Il était arrivé brisé, la mine était comme fendue, mais quand je l'ai vu, je m'en doutais que la mine elle allait lâcher. Parce que là, je vous explique, c'est que cette vidéo-là, j'ai gardé le début quand j'ouvre mes colis, mais j'ai encore eu un problème avec ma caméra qui ne veut pas toujours coopérer. Et c'est la deuxième fois que je fais la vidéo, parce que les tests, je les avais déjà faits. Donc, voilà.
C'est pour ça que je vous dis que j'ai aiguisé le crayon parce que dans mon premier test, ben, ça l'avait brisé. Je les ai pas toutes essayées par contre. Hein. J'avais commencé un petit peu, j'étais rendue à peu près ici. Puis j'ai dû recommencer parce que je me suis aperçue que ça ne filmait plus. Donc voilà. Celui-là, c'est Wash Green. Ok. Vous voyez que je peux bien les mélanger, hein? Ils se mélangent super bien. Donc ça, c'est cool. Si vous avez de la difficulté des fois à faire des dégradés, ben ça peut être une bonne alternative. Moi, je ne les avais jamais essayés, les Black Widow. Hein? C'est la première fois que je les essaie. Je ne sais pas si les scorpions, araignées, serpents sont semblables à ceux-ci. Dites-le moi si vous avez cette gamme de crayons-là et que vous avez les autres pour me dire si c'est semblable, s'ils sont autant crémeux ou s'ils sont moins ou quoi que ce soit. Parce que là, j'ai bien l'intention de commander le reste qui va avec. Hein? Oui, oui, oui. Alors, celui-là, c'est le poison. On va essayer de le mélanger avec lui, voir. C'est vraiment des tests. Et regardez ça, ça se mélange super bien. Ah, je suis contente. C'est le fun quand on essaye un nouveau truc puis que ça nous plaît. C'est pas comme quand j'avais acheté les crayons colorés, là. Ah, je les avais vraiment pas aimés, eux. Donc, puis ceux-là, ben, je les aime. Donc, je dis oui au Black Widow. Ça me fera... Ben, une marque de crayon de plus. Moi, j'aime bien ça, avoir plusieurs teintes. Puis, c'est bien souvent, là, quand je fais pas de vidéo, là, ben, puis que je fais un coloriage, je mélange les marques. Hein. C'est bien ben rare que je vais faire un dessin juste avec une marque. Je vais tout le temps les mélanger ensemble. Alors, celui-là, c'était Antler, numéro 119. Ensuite, il y a le Green Tea, numéro 88. Et je vais pratiquer mon anglais à force de vous dire des choses en anglais. Je vais devenir super bonne avec l'accent. Non, je pense pas. Donc, celui-là, vous voyez, je peux super bien le mélanger avec l'autre. Puis, j'ai même pas besoin de forcer, hein, ça se fait tout seul. Mais bon, pensez pas faire du couche par couche avec ces crayons-là. Parce que, d'après moi, après 2-3 couches, là, ça va être saturé papier. Mais si on veut faire des dégradés rapidement, c'est merveilleux. Ensuite, on va terminer ce rack-ci. On va y aller avec le Light Bronze. Light Bronze. Bronze pâle. Et là, après, on va tomber dans les couleurs que je n'ai pas encore essayées. Parce que, comme je vous dis, c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo-là. Je ne suis pas chanceuse ces temps-ci hein, avec mes vidéos. J'ai tout le temps des problèmes. Je ne sais pas pourquoi. Bon, alors on a fini avec ce rack-ci. Maintenant, on va essayer les autres couleurs qui ont l'air plus foncés, ceux-là, j'ai hâte de voir. Alors, celui-là, c'est le Emerald. Là, je vous le dis en français parce que j'ai traduit. Le numéro 120. Où est-ce que je me mets? Je vais me mettre ici, tiens. On va mettre les couleurs foncées sur ce côté-là. Oh, c'est beau! C'est comme un petit turquoise. Je pensais qu'elle était plus foncée que ça, par contre. Regardez la mine. Puis regardez le... Peut-être que j'ai pas assez mis de pigment. Je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus foncé. Mais bon, c'est pas grave. Il est très beau quand même. De toute façon, c'est ça que je voulais. Je voulais des couleurs plus pâles, donc. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, celui-là, c'est Saphir, numéro 85. Je vais le mettre ici, peut-être. Ah, ben ça, c'est un beau vert. On peut faire des belles feuilles avec ça. Justement, c'est ça qu'on est en train de faire, des feuilles. Mais là, c'est des feuilles multicolores. Voilà. Pour celui-ci. Ensuite, on a le Leaf Green, qui est numéro 58. On va essayer de mélanger cuivre. Ah, ça, j'aime ça, cette couleur-là. Surtout pour faire des feuilles. Je trouve que c'est vraiment une belle couleur pour ça.
Non, je me force pas trop pour faire le décalé, là. Je fais juste essayer les couleurs. De toute façon, je vais les essayer dans un coloriage et dans une prochaine vidéo, je vous dirai ce que j'en pense. Mais à date, je les aime. Je peux pas dire que je les aime pas. Celui-là, c'est Sky. D'après moi, il va être vraiment beau, lui. Je vais le mélanger avec lui. On va voir. Et regardez ça, ça se mélange tout seul. Super. Vraiment, là. Bon, je force un petit peu, là, parce que là, on s'entend que c'est du vert et du bleu, là. Ça ressemblait pas beaucoup. Mais quand même, c'est pas super. Ensuite, Cat Eyes, les yeux de chat, numéro 124. Il y a des couleurs qui sont, les noms sont bizarres, je trouve. Oh, il est beau, lui. Ah, j'en ai pas des couleurs comme ça en plus. Il me fait penser à une couleur dans les Derwent Procolor que j'aimais beaucoup, mais j'adore les Derwent Light Flash, j'adore les Color Soft, mais les Procolor, là, je les aime vraiment pas, ces crayons-là. Je les trouve trop secs. Et puis, il y avait une couleur comme ça dans les Procolor que j'aimais. Donc, je suis contente de l'avoir dans les Black Widow parce que les Procolor, je les prends quasiment jamais parce que je les aime pas. De juste une petite boîte, une chance que j'avais pas investi dans une grosse boîte parce que j'aurais été déçue. Surtout que les Derwent sont quand même assez dispendieux, donc je suis contente d'avoir investi dans la grosse boîte de Color Soft parce que ceux-là, je les aime beaucoup. Alors, ça se mélange bien, regardez. Ouais. Ben là. Mélange bien. Je pense pas bien bien hein, pour faire les dégradés non plus, là, mais t'sais, ça nous donne une idée. De toute façon, on voulait juste regarder les couleurs, là. C'est juste pour ça que je faisais ce petit test-là. Ensuite, celui-là, c'était Océan. Bon, ça, c'est un bleu qu'on peut pas mal retrouver dans toutes nos gammes de crayons. Je dirais qu'on le retrouve toujours, ce bleu-là. Le bleu typique. Il est beau. Ensuite, ils sont gros les crayons en plus, hein. C'est pas fait cheapette, là. Puis, ils ont pas la même. On dirait que c'est la même texture que les crayartes et puis les colorés. Les colorés, je les avais vraiment pas aimés. Je les ai donnés à ma fille. Mais par contre, on dirait qu'ils se tiennent mieux que les crayartes. Les crayartes, des fois, ils se tiennent pas bien. Mais ceux-là, ils se tiennent bien, je trouve. Mais c'est vrai qu'eux aussi sont comme une forme octogone. Tandis que les crayons sont ronds, les crayons. Je ne me rappelle plus. Pourtant, je les ai utilisés il ne faut pas si longtemps que ça, en plus. Je vais regarder. Pour ne pas dire de bêtises. Ah, cette couleur-là, je l'aime vraiment, elle est belle. Regardez. Pour faire des océans, là. C'est vraiment une belle couleur. Je vais regarder les crayons, là, parce que je ne vais pas vous dire qu'ils sont octogones, s'ils sont ronds. Mais il me semble qu'ils sont ronds. Je veux voir aussi si le diamètre. Eux autres non plus, je ne les ai pas mis en trop. Il faudrait bien que je les mette parce que je les utilise souvent. Puis la boîte est en métal, mais elle est tellement dure à ouvrir, je ne sais pas pourquoi. Là. Celui-là, je les utilise vraiment beaucoup. Ça a vraiment été une surprise pour moi, les crayons. Puis, quand ils vont être finis, je vais en prendre d'autres parce que c'est une gamme que je vais garder. Parce qu'il y a vraiment des belles couleurs dedans. Les pigments sont beaux. Alors, je vais les comparer. Ouais, c'est ça. Les crayons sont ronds. Et puis, les Black Widow sont octogones. Ça doit être pour ça aussi que... Mais... Ça semble être le même matériel, mais eux sont un peu plus rudes que eux. C'est peut-être pour ça. Puis eux sont vraiment plus petits, les crayons, en tant que diamètre, là. Pas une grosse différence, mais quand même, ils sont plus petits. Et regardez, je ne sais pas si vous avez déjà vu ma vidéo, là, mais juste pour vous montrer pourquoi je les aime tant. C'est pas des crayons qui sont chers, vous en avez 120. Puis les pigments de ces crayons-là, là, c'est vraiment, je reste surpris. Par contre, c'est pas encore une fois, c'est pas des crayons que vous allez pouvoir faire beaucoup de couches. Hein.
Donc, bon, c'est pas le but de la vidéo, mais bon, je sais pas, ça, je les compare avec les crayards parce que je trouvais que ça ressemblait un petit peu. Bon, alors, on revient à nos moutons. celui-là, c'était Blue Daisy, je l'avais essayé, hein? Je sais pas, là. Oui, j'avais essayé, c'était lui. OK. Alors, celui-ci, c'est le Opal. Oh, je sens que je vais l'aimer, celui-là. Oui, il est vraiment beau. Belle couleur. On peut quand même bien les dégrader quand même, là. Même si on ne peut pas faire 50 000 couches, là. Ça ne me dérange pas bien, bien. Si je veux faire beaucoup de couches, je vais y aller avec mes Prismacolor ou mes Polychromos, là, tu sais. Celui-là, c'est Grease Late, le numéro 103. Je vais mettre ici peut-être. Ah, ça aussi, j'aime ça, les couleurs comme ça. C'est un genre de petit mauve pâle. Oui, j'aime bien. Dites-moi aussi si vous aimez mieux quand je teste les crayons sur des dessins comme ça ou si vous aimez mieux les voir sur des nuanciers. Moi, je trouve que c'est un peu plate de regarder les nuanciers. C'est pour ça que je m'étais dit, ben, je vais faire ça dans un livre de coloriage. Mais si vous préférez les voir en nuancier, ça ne me dérange pas parce que de toute façon, à chaque fois que je reçois une boîte de crayons, je fais toujours le nuancier. Donc, dites-moi en commentaire si vous préférez pour les prochaines fois que je continue comme ça dans les livres de coloriage ou que je fasse le nuancier avec vous. Ensuite, on continue. On va y aller avec le Eggplant. Numéro 116, celui-là. Ouais. Oh, lui, il est beau. Il est quand même assez foncé. C'est un mauve. Je dirais pas que c'est un violet, mais proche quand même. Alors voilà pour celui-ci. L'autre, d'après moi, va être plus foncé. Celui-là, c'est Navy Blue, numéro 123. Je pensais que c'était un mauve, mais non, c'est un bleu. Ouais, c'est bleu. Ah ouais, puis il est beau en plus. Il est vraiment bien pigmenté. Regardez. Ouais, j'aime bien. Alors voilà pour lui. Ensuite, Blue Moon. Est-ce que je peux le mettre ici, peut-être? Ah, ça aussi, c'est un beau bleu, mais c'est un bleu qu'on retrouve beaucoup dans nos autres gammes de crayons. Ben c'est sûr qu'à un moment donné, à force d'avoir plusieurs gammes de crayons, ça finit par tout se ressembler. C'est sûr qu'on finit par avoir quand même un petit peu les mêmes teintes qu'on a déjà. Mais sinon, moi, ça me dérange pas. C'est pas des crayons qui étaient super chers, puis ça va me permettre d'économiser mes polychromos et mes Prismacolor. Ensuite, celui-là, c'est. Je vais dire le numéro 114, Oyster. Je pense vraiment pas que ça se prononce comme ça. Mais bon. Bon, lui, c'est comme un crème, je dirais. Je sais pas pourquoi qu'ils l'ont placé là. C'est moi qui l'ai déplacé ou. Peut-être, je sais pas. On dirait qu'il va pas là. En tout cas, je vais le laisser là. De toute façon. Quand je vais recevoir ma trousse puis je vais commander les autres, ben, je vais toutes les replacer de toute façon parce que je vais les placer avec les autres. Bon, là, on tombe dans le gris. Ça, je trouve ça vraiment plate à essayer. Des fois, je trouve qu'ils en mettent trop du gris dans les crayons. Comme dans les Prismacolor, on en a beaucoup des gris. Puis, je me demande, ça sert-tu vraiment quelque chose d'en avoir autant? Moi, je vous dirais que dans ma boîte de Prismacolor, il y en a peut-être 5 que j'utilise presque tout le temps, des gris. Sûr que tu sais, j'ai repéré que j'aime bien, mais sinon, comme les gris français, là, je les utilise pas vraiment. Sinon, là, on a le Dark Gris. Ça va peut-être un gris plus foncé, j'imagine. Bon, c'est sûr, c'est pratique quand on veut faire des effets neige ou. Moi, ça arrive souvent quand je fais des analines que je vais faire des vêtements blancs, donc je viens ombrer avec du gris, mais sinon. C'est pas des couleurs qu'on utilise beaucoup, moi, je trouve, en tout cas. Bon, là, celui-là, c'est un gris comme ça. Là, je vais vous les mettre de même.
Un gris comme gris beige peut-être. Light gris. Mais il n'y a pas de noir dans la boîte. Bon, c'est pas grave, j'en ai plein des noirs dans mes autres cannes. Puis il n'y a pas de rouge non plus. Il n'y a pas vraiment d'orange. Hein? On a ça. Mais on n'a pas vraiment d'orange. Pas de vrai rose, rose, là. Tu sais, le rose flash, il n'y en a pas non plus. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas une boîte de crayons que vous allez pouvoir utiliser tout seul. À moins que vous y allez vraiment faire les dégradés avec ce que vous avez là. Mais peut-être que vous allez être obligé d'aller dans vos autres crayons. Moi, je vais les mélanger avec mes autres jusqu'à temps de recevoir les autres qui vont avec. Donc, celui-là, c'est medium gris. Il y en a beaucoup des gris, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gris. J'aurais aimé mieux avoir plus de couleurs que d'avoir juste des gris. Ben, pas juste des gris, mais 6 gris. Je trouve que c'est beaucoup. Pour une boîte de 48, c'est bien ça que j'avais dit? Ouais, 48 crayons. Ou peut-être plus de marron ou de brun aussi, ça aurait été bien. Mais j'imagine que ça, c'est dans les autres boîtes, hein? Celui-là, c'est un gris un petit peu plus foncé. Ensuite, ben là, on va regarder les deux bruns qu'on a. Celui-là, Mahogany. Ouais, celui-là, c'est un beau brun. Je sais pas si l'autre est plus foncé. Je crois que... Je sais pas, hein? Je pense qu'il va être plus pâle. On va regarder. Ouais, il est plus pâle. Un petit peu sur le rouille celui-là. Ouais. Ouais, il est beau. Bon, alors voilà les couleurs qu'il y a dans les Monarch Black Widow. Mais je suis contente. Je ne regrette pas mon achat. C'est des beaux crayons et puis ils fonctionnent bien. Donc... J'étais pas certaine non plus parce que je les trouvais pas chers puis tout ça. Donc, mais j'en entendais beaucoup parler des Black Widow, donc ça m'intriguait. Puis là, ben, quand j'ai vu qu'il y avait la boîte de 48, ben, je me suis dit je vais tester ceux-là. Puis si je les aime, ben j'irai avec les autres boîtes. Et je vous confirme que je vais commander les autres boîtes. Bon. Maintenant, on va y aller avec ben, la palette d'aquarelle. Hein? On va la tester. J'ai hâte de voir les couleurs. Donc, là, je vais vous serrer ça. Je vais me prendre un petit carton pour faire les pièces. OK. Donc, ah ben là, on va tester le pinceau, mais je vais devoir aller le remplir d'eau. Donc, puis là, on a dans la boîte, on a des petits papiers. Vous avez, ben là c'est écrit en chinois, là, mais ils ont quand même écrit en anglais en dessous les noms. Donc... Donc voilà, les couleurs sont ici. C'est encore écrit en chinois aussi. Là, moi, c'est-tu les 36 que j'ai commandé ou les 24? Parce que là, ils disent 36 puis là, ils disent 24. Je me rappelle même plus. Ah, non, moi, j'ai pris les 36. OK. Quoi? Vu qu'on prend une palette, ça ne dérange pas si je le mets sur ma palette? Ben non. OK, ben là, je vais aller remplir mon pinceau réservoir d'eau et puis on va tester les aquarelles. Là, je vais pas tester le blanc parce que je pense pas que ça paraisse bien gros sur la feuille. Je vais vous dire les noms au fur et à mesure. Ben, je vais me fier un petit peu à ce qu'il y a ici. Alors, le premier, ça serait Lemon Yellow. Là, je vais juste partir mon petit pinceau. Donc, Lemon Yellow, on y va. Oh! Ils sont belles, hein? Les beaux... ils sont bien pigmentés, je trouve.
Je m'attendais pas à ça. Parce que je l'ai vraiment pas payé cher, je trouve, pour 36 couleurs. Ben là, c'est le jaune, là. On va voir les autres couleurs, là, mais quand même. Pour une première couleur, je suis impressionnée. Là, je pense que je vais écrire les. Je vais les écrire en dessous. C'est quoi? Lemon yellow. Lemon. Ou je vais les écrire à la fin, comme ça va être mieux pour vous, je crois, parce que là, je pense que c'est un petit peu plate pour vous si j'écris à mesure. Ça, ce serait le numéro 346. OK. Ben là, je vais toutes les écrire à la fin, donc je vais toutes vous montrer les couleurs, un à la suite de l'autre. Je vais nettoyer mon pinceau. Là, on va y aller avec le CAD Yellow. Oh, il est beau! Oh, ben là, je vais m'amuser avec ça, je vous dis. Il va falloir que je teste ça dans le coloriage. J'en prends pas beaucoup, hein, sur mon pinceau, puis regardez comme ils sont bien pigmentés. Non, je suis contente. J'ai fait des bons achats! Ensuite, on va essayer le Yellow Orange, qui serait le numéro 268. On va laisser de la place pour écrire ensuite. Oh, ça aussi, c'est une belle couleur. Il va falloir que je regarde des vidéos sur l'aquarelle pour voir c'est quoi la meilleure technique. Ensuite, on va essayer le CAD Red Light. Ce serait bien qu'ils écrivent en français des fois, hein? Bon. Oh, c'est vraiment intense comme rouge. J'adore. Et puis ça, c'est le pinceau qui venait avec. Il va bien quand même. Alors voilà pour celui-là. Ensuite, on va essayer le vermillon. Ça, c'est un petit peu plus rouge vif, je dirais. Et je pourrais faire des beaux couchers de soleil avec ça. Ensuite, on va essayer le Scarlet Lake. J'essaie de ne pas me mêler dans les petits copes. Je crois que je vais le mettre ici. Alors, celui-là, c'est un petit peu plus rouge-rose, peut-être. Il est beau. Ensuite, il y a le Crimson Lake. Je crois que celui-là va être plus foncé. Ah oui, vraiment. Ça, c'est vraiment un beau rouge. Faudrait que j'essaye aussi de faire un coloriage au complet. Ben, ce serait pas du coloriage, ce serait de la peinture, mais en faire un complet avec de l'aquarelle, je pense que ça pourrait être le fun à faire. Je pense que, par exemple, que je vais scanner un de mes dessins dans un de mes livres, puis je vais le faire imprimer pour être certaine de ne pas faire de gaffe, parce que j'ai jamais fait ça. Ensuite, Crimson Lake Deep. Ça serait plus foncé encore, j'imagine. On va tester ça. Ouais, ça est plus foncé. Bon, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve vraiment belles. À date, là, je suis pas déçue. Ça, c'est le fun dans ce temps-là. Ensuite, là, je suis rendue où, là, dans la palette, là? Ok, je suis rendue à lui. Celui-là, c'est Alizarin Grimson. Ok, celui-là, il est plus foncé encore. Mais c'est vraiment le fun qu'il en ait mis autant parce que je
Tu peux faire des dégradés avec ça, là, je pense. Je pense bien, là. Oui, vraiment. Elles sont vraiment belles. Avec mes nacrés, là, je vais pouvoir m'amuser. Ben, pas mes nacrés, mais métalliques de Staricolor. Là, ensuite, on va essayer le permanent rose. Pourtant, sur palette, là, ça n'a pas l'air rose vraiment, mais bon. Faut voir. Ben, ce serait plus rouge-rose. Rouge-rose. Peut-être, hein. Mais au pire, tu peux mettre du blanc dedans pour le pâlir. Parce que sa palette n'a pas l'air d'avoir du rose. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette couleur-là. Hein? Même dans les crayons, on n'en a pas souvent du rose. Ben oui, ils en mettent, mais ils n'en mettent jamais beaucoup. Puis pourtant, on en a beaucoup, là, des couleurs de rose. Des dégradés de rose, mais ils n'en mettent jamais beaucoup dans les boîtes. Puis là, d'après ce que je peux voir dans l'aquarelle, ils n'ont pas l'air d'en avoir mis non plus. OK, là, celui-là, c'est Purple Lake. C'est ça? Oui. Oh, il est beau, lui. Ah, j'adore cette couleur. Je sens que je vais m'amuser comme une folle avec tout ça. Ça faisait longtemps en plus que je regardais ça, hein, les palettes d'aquarelle, mais étant donné que j'avais de la difficulté avec les néocolores puis tout, je commençais un petit peu à désespérer. Je me disais, bon, ben, c'est pas pour toi de faire des fonds avec ça. Donc, puis là, ben, vu que j'ai beaucoup pratiqué ce mois-ci, ben, j'ai comme pris goût, tu sais, j'essaye des nouveaux trucs puis tout ça. Puis j'arrête pas de voir des vidéos aussi avec des gens qui ont fait des fonds à l'aquarelle, puis c'est vraiment beau. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi. Ça, c'est mauve. Ça se trouve à être... Ben, c'est mauve. C'est ça, la couleur. Donc, voilà. Je nettoie mon pinceau à chaque fois. C'est pour ça que c'est un petit peu long. Ensuite, je suis rendue ici. Ça, c'est... Dioxazine violet. Ça me fait un peu penser à... On en a un crayon dans les Prismacolors qui est à peu près ce nom-là. Ouais, ça ressemble un peu aussi à la couleur qu'on a dans les Prismacolors. Voilà pour celui-ci. Ensuite, ça va être... Verdité bleu. Ça a comme un petit bleu pâle, je crois bien. Ouais, un petit bleu. Moins pâle que je pensais qu'il allait être, par exemple. Un petit peu plus foncé. Bon, là, j'ai plus d'eau dans mon pinceau parce que vu que je nettoie entre chaque couleur, ben, ça passe vite. Je vais le remplir, je reviens encore. Bon, je suis de retour avec le pinceau plein. Verdité bleu, j'avais dit. Bon, maintenant, on est dans le Coréluan bleu. OK, je vais vous montrer le nom, là. Je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est celui-là que je vais essayer. Bon, là, j'ai beaucoup d'eau, hein. Mais... Bon, peut-être en remettre un peu. Oh, je sens que je vais être capable de faire des beaux trucs avec ça. Ouais. J'ai hâte de vous montrer ce que je vais avoir fait. J'ai déjà des idées. OK, alors là, on est rendu à Intense Blue. J'ai hâte de voir. Intense bleu, c'est que ça va être beau, je pense. Là, je vais changer de feuille. Alors, intense bleu, on y va. Oh, il est vraiment beau. Je vais pouvoir faire des beaux... voyons, vas-tu dire? Vous savez, quand il y a de l'eau, c'est ça. Va faire de l'eau. Dans nos analines, il y en a beaucoup des trucs avec des chutes ou
que derrière le personnage, il y a de l'eau. Donc, ça va être le fun à faire. Ensuite, là, c'était Intense Blue, ça? Oui? OK. Cobalt Blue, maintenant. Celle-là aussi est vraiment beau. Oups. Voilà pour celui-ci. Maintenant, on va y aller avec Ultramarine. Ah, celle-là aussi, j'ai hâte de voir. Moi, j'adore les bleus foncés. Oh, ouais, il est vraiment beau celui-là. Je vais vraiment m'amuser. Je sais que ça fait plusieurs fois que je le dis, mais là, je suis en admiration avec les aquarelles. OK, maintenant, Turquie Blue. Je pense à encore un bleu, mais un petit peu plus foncé. Parce que c'est dur à dire, on dirait, tant qu'on les a pas mouillés, les aquarelles, de quoi ils ont l'air. Oh, lui, il est beau. Je pense que j'ai pas assez d'eau. Oups! Et je suis débutante. Encore une fois, je fais des gaffes pendant mes tests. Là, je pense que je ne me suis même pas gardé cette place pour écrire en dessous. Ouais, ouais, quand même. Mais c'est parce que j'écris gros, hein, fait que... OK, là, on y va avec... on faisait Turquie Blue, là. Prussian Blue. Tu peux-tu? Ouais, ça va être Prussian Blue, je pense. Il est beau. T'es encore plus foncé que l'autre en haut. Ils sont vraiment intenses, les couleurs. Je suis impressionnée. OK, là, ça va être Pain Gris. Ça va être du gris. Ça va vraiment pas... On dirait du noir sur ma palette. Ça, je vous dis, on... tant qu'on l'a pas mouillé, ben, OK, les couleurs parlent, oui, mais quand elles sont foncées, on dirait qu'on n'est pas certain. Ah, ben c'est encore du bleu. Un bleu plus foncé encore. Ben, je vais vraiment pouvoir faire des beaux trucs d'eau avec ça. Même des ciels aussi. Hein. OK, ensuite, Yellow Green. Ça, d'après moi, ça va être un vert vraiment feuille. Feuille d'été. Ouais, c'est vraiment un beau vert. Un vert d'été. OK. On est dans la dernière rangée. Ne vous découragez pas. Et là, je vais vous montrer. On est rendu ici. Là. Alors, celui-là, c'est Sap Green. Ah, ça aussi, c'est un beau vert. Je vais l'essayer à un moment donné de faire tout un coloriage avec ça. Je sais pas ce que ça va donner, mais... Ensuite, Ochre Green Light. Ah, ça, d'après moi, ça va être un vert... peut-être un vert sapin, peut-être? Oui. Un vert jungle. Ensuite, Ochre Green Deep, celui-ci. Oh, il est beau, lui. Encore plus foncé. Viridian U. On dirait que c'est bleu. Ça serait bizarre qu'il ait mis un bleu avec les verts. Hein. On va voir. Ah non, c'est vert. Et sur la palette, ça va l'air bleu.
OK. J'essaie de nettoyer mon pinceau comme il faut pour pas non plus fausser les couleurs. Là, maintenant, on est rendu au olive green, c'est lui. Je vais suivre parce que sinon, après ça, quand je vais vouloir les écrire, je vais tout mélanger. Donc, je vais le mettre ici. Ça aussi, ça peut faire des belles feuilles. Même les arbres, colorier les arbres avec la peinture aquarelle, ça pourrait être beau. Là, on est rendu au yellow ocre. Ça, d'après moi, ça va tirer peut-être sur le jaune doré du ocre. Jaune peut-être plus orangé, je sais pas. Ben, jaune ocre, jaune doré. OK. Ensuite, on est rendu au rat sienna. Là, je pense qu'on va tomber dans des bruns. Oh, je ne suis pas sûre que j'ai bien nettoyé mon pinceau. C'est bizarre, je pensais pas qu'elle allait être comme ça. Je pensais qu'elle aurait été plus comme peut-être chocolat. Parce que si on regarde là, sur la palette, on dirait qu'il... Non, c'est vraiment cette couleur-là. Je pensais que j'avais pas bien nettoyé mon pinceau, mais c'est un peu plus comme le... C'est ocre, mais un petit peu plus foncé. OK, ensuite... Les prunes, on le fait, Raciena. Bird Sienna. C'est lui. Je pense que je vais prendre un de mes pinceaux réservoirs d'eau, parce que là, lui, il n'y a plus d'eau encore. Là, que je vais en prendre un que j'ai ici. Oh mon Dieu, j'ai mis ben trop d'eau. J'ai exagéré sur la quantité d'eau. Il est beau celui-là aussi, c'est vraiment une belle couleur. Bon, je tape le bouchon. Là, je vais... pardon, je vous fais shaker. J'ai accroché le bureau parce que j'avais échappé le petit capuchon. Mais là, il n'y a plus d'eau dedans, mais je vais prendre un des miens. Je ne vais pas être encore obligé de sortir. J'en ai-tu un qui a de l'eau? Ça, je les avais remplis. Lui, il n'y en a pas. Lui non plus. OK, lui, il y en a pas. Ça, c'est les Arteza. Je vous les avais déjà montrés. Là, je suis rendue où, par exemple, avec tout ça? Bird Umber, je crois. Celui-là. On va partir. Ah, ça, je pense que ça va être vraiment brun, là. Ouais, oh! C'est brun chocolat! Il est vraiment beau, lui! Ça donne envie de manger du chocolat. Regardez ça comme il est beau! OK, là, il nous en reste trois. Ça y est, on est rendu au... Ben là, je pense que je les ai pas dit comme du monde. Oui, oui! Van Dyke Brown. C'était mélangé. Ça, je pense que ça va être prononcé. Ouais, moyen. Un chocolat plus foncé. C'est pas du chocolat au lait. Ouais, il est beau lui aussi. Bon, alors là, il nous reste le sépia. D'après moi, ça va être vraiment un brun assez foncé, ça. Si je me fie au crayon, ben là, je vais les mettre ici parce que j'ai plus de place. Ouais, lui est plus foncé que les autres. Là, j'ai mis peut-être un peu trop d'eau, là.
Puis le dernier, ben, ça va être du noir. Parce que c'est lamp black. Il y a le blanc aussi, ben, que j'ai pas. Je ne l'ai pas mis sur ma feuille, mais je vais l'essayer par-dessus nos couleurs au pire. Là, je vais mettre le noir. Je vais le mettre ici au bout. Oh, c'est un noir noir, hein? C'est pas un noir gris, là. C'est noir. C'est noir noir. Tiens. Je vais tailler mon pinceau bien, bien, bien comme il faut. Parce que là, prendre du noir et aller chercher du blanc après, c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle. OK, alors là, je vais essayer le blanc. Je vais le mettre. C'est pas trop là. Je vais le mettre, mettons ici, peut-être. C'est bon. Je vais mettre là. Bon, c'est blanc, hein. D'après moi, il faut l'utiliser quand les couleurs sont pas sèches. Ouais, pour venir créer des effets comme ça. Mais bon, à nettoyer le pinceau bien comme il faut avant de le remettre dans le blanc, hein? Sinon, ce serait pas très joli sur la palette. Je vais mettre par-dessus. Ouais, on peut venir se créer du gris aussi, mettons, on veut pâlir, je sais pas, vu qu'il n'y a pas vraiment de rose, là. Ça qui est un peu dommage, mais bon. Peut-être venir pâlir du rouge, ça va nous donner du rose avec le blanc. J'imagine que c'est à ça qui sert le blanc, sinon je vois pas. Je sais pas trop quoi faire avec le blanc. Hein. À moins de faire de l'aquarelle sur un papier noir, mais bouf. Je pense pas faire ça. Donc le blanc, je vais l'utiliser pour parler les couleurs. Alors voilà, je crois que c'est tout pour ces petits tests d'aquarelle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve vraiment belles. Je m'attendais pas à ça pour le prix que j'ai payé. Parce que j'ai vu des aquarelles qui étaient vraiment chères, là. Mettons, je sais pas trop, je pense que c'est celui qui a l'emballage rose, là. Paul Rubens, ça se peut-tu? C'était vraiment assez dispendieux. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu sceptique pour le petit perroquet, mais je suis super contente, vraiment. Je vais les utiliser. Donc là, je vais remettre ceci, là. Non, je vais mettre à l'envers. Donc, voilà, ben, tout ça vient de chez Amazon, hein, les crayons et puis l'aquarelle. Moi, je vais continuer d'écrire mes petits numéros pour savoir un petit peu, pour me faire mon petit nuancier. C'est sûr que je ne vais pas le mettre dans la boîte, là, je vais le mettre à part. Alors, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et aussi, n'oubliez pas, si vous voulez rejoindre mon groupe que j'ai créé sur Facebook, c'est la bande colo de Zazou. Alors, vous tapez ceci sur Facebook et vous pouvez me rejoindre. Ça va me faire extrêmement plaisir de vous accueillir dans mon groupe. Et aussi, allez voir la vidéo pour le concours du Diamond Painting. Si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez toujours courir... Vous pouvez toujours tenter votre chance. Peut-être que vous allez gagner, on ne sait pas. Alors, c'est ça. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.